Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 12 avril 2023, 8h24 heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Malgré tout, merci d'être avec moi sur Youtube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages. C'est vraiment très apprécié. Je reviens sur la fuite de documents et euh, d'informations hein, euh, des services de renseignement américains qui a eu lieu et dont on a pris connaissance et qui sont la preuve que c'est soit voulu ou le gouvernement a aucun contrôle sur ses employés. Mais on l'a vu pendant la présidence de Donald Trump, les fuites, c'était au quotidien. Hein? Les fuites, c'était au quotidien pour saper la présidence de Donald Trump, même au risque de mettre les, la vie de... Soldats ou de militaires en danger. Parce que quand vient le temps de protéger le système, hein, le Deep State, on n'a aucune limite. Maintenant, on, je reviens sur ces fuites-là et ça nous montre une chose qu'on savait probablement déjà, vous et moi, c'est que ce conflit-là en Europe, c'est une guerre par procuration des États-Unis avec ses alliés comme l'Angleterre, entre autres surtout, contre la Russie. On sait que la Russie, on a oublié de le dire aux gens, mais la Russie contrôle presque la totalité du gaz, du pétrole, des engrais chimiques, du blé, pour une bonne partie de la population mondiale. L'économie de la Russie c'est pour ça qu'elle n'a pas été trop affectée par toutes les sanctions, repose sur des produits, des biens essentiels. Alors que nos économies, à nous, reposent surtout sur un système bancaire, de la fraude, des services bidons, et pas plus vraiment sur des biens et services essentiels. Donc, c'est ce qui a fait que les, la Russie n'a pas. Affectés par les sanctions parce que ces produits sont demandés par beaucoup de monde. Par beaucoup de pays. Donc là, on sait maintenant que on l'apprend, c'est confirmé, qu'il y a des forces spéciales occidentales sur le terrain dans ce conflit-là. Le Royaume-Uni fait partie d'un certain nombre de pays disposant de forces militaires opérant dans le conflit actuel en Europe, selon des dizaines de documents divulgués en ligne, il confirme ce qui fait l'objet de spéculations tranquilles depuis plus d'un an. Parce que c'était impossible de voir supposément une résistance à ce point-là de ce pays face à la Russie s'il n'y avait pas l'équipement qui a été envoyé et les gens pour opérer ces équipements-là, entre autres, et diriger hein, les forces ou ce qu'il y a de force euh, contre la Russie. Les fichiers divulgués, euh, certains portant la mention top secret, brossent un tableau détaillé de la guerre en Europe, y compris les détails sensibles sur les préparatifs euh, de ce pays qui est contre, en guerre contre la Russie pour une contre-offensive de printemps. Le gouvernement américain dit qu'il enquête sur la source de la fuite. C'est complètement... Euh, euh, nous fuck comme euh, comme euh, comme prétention. Pensez-vous vraiment qu'on va enquêter sur la fuite Alors que supposément des fuites comme ça c'est illégal et il y en a eu plein, comme je vous le dis, aux États-Unis depuis la présidence de Donald Trump. C'est complètement euh, ridicule. Selon le document daté du 23 mars, le Royaume-Uni dispose du plus grand nombre de contingents en, dans ce pays en Europe, 50 suivis par les États-Unis et les autres pays membres de l'OTAN, la Lettonie, la France, les États-Unis et les Pays-Bas. On ne nous dit pas ce qu'elles font, où elles se trouvent, mais bon, on s'en doute un petit peu. C'est probablement elles qui sont à la tête de toutes ces opérations-là. Donc, c'est... Euh, Confirmé maintenant, on le sait, les implications sont euh, directes sur le terrain. Ça va probablement changer la donne, tout ça, parce que la Russie va sûrement trouver un bon prétexte pour étendre le conflit. Donc, ça va être à suivre vraiment le printemps 2023. L'année 2023 nous réserve encore plein de surprises. Pendant ce temps-là, l'hystérie se poursuit. On apprend avec le Daily Beast que l'Autriche arrêtera le président russe s'il se rend dans le pays. Donc, complètement loufoque ça aussi comme histoire. D'abord, Poutine n'est jamais allé, puis il n'y aura jamais. Que ce qu'il a faire en Autriche. Hein, un pays euh, sans intérêt pour la Russie. On essaie de se montrer, euh, on gonfle nos muscles, on essaie de se montrer, euh, je ne sais pas, euh, hein, autoritaire, fort, puis qu'on dit, nous autres, s'il vient ici, on va l'arrêter. Pense-tu que Poutine va aller perdre son temps, à aller visiter l'Autriche Pour quelle raison Il n'y a aucun intérêt à aller là. Conformément <vivrerible Since then> au mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Hein, on le sait qu'il a lancé un avis d'arrestation contre Poutine pour crime de guerre, ou crime contre l'humanité. Je veux dire, Joe, c'est tellement pas sérieux, cette Cour euh, pénale internationale. C'est d'abord financé par qui? C'est qui qui est à la tête de ça? C'est qui qui gère ça? Quand tu regardes toutes les atrocités d'Obama, les atrocités des deux bouches, les atrocités de Clinton, j'en oublie tellement, d'autres... Euh, Politiciens, présidents et premiers ministres d'autres pays, dans l'ancien contre Poutine, c'est vraiment politique, c'est vraiment du n'importe quoi. Donc, l'Autriche arrêtera le président russe, Vladimir Poutine, s'il se rend dans le pays, conformément au mandat de, de la Cour internationale, a déclaré cette semaine la ministre autrichienne de l'Union européenne des affaires <laughs> Carolina. L'Autriche respectera ses obligations. <laughs> tu sais, ça a l'air, tu te dis, Waouh, hey, c'est incroyable, hein, puis ils, sont, puis ils sont forts. Ils vont arrêter Poutine s'il sera en Autriche. Poutine il a autant envie d'aller en Autriche qu'il a envie d'aller aux États-Unis, comprends-tu? Donc, parce que cette décision intervient, nous dit le Daily Beast alors que l'Autriche subit une pression croissante. Pour réévaluer sa neutralité militaire pendant, la guerre de, pendant ce conflit-là, l'Autriche a condamné l'invasion et a soutenu les sanctions contre la Russie, mais a évité la participation militaire. Oh L'Autriche fait partie d'une liste croissante de pays qui ont indiqué qu'ils respecteraient le mandat d'arrêt. Il y a des signes que même ceux qui étaient alliés de euh, Vladimir et la Russie dans le passé, comme l'Arménie, qui est membre de l'organisation de défense dirigée par la Russie, L'Organisation du Traité de sécurité collective sont sur le point d'exécuter le mandat d'arrêt. Un député du parti au pouvoir euh, du contrat civil au Parlement arménien indiquait à la fin du mois que Poutine serait arrêté s'il venait en Arménie. Encore là, je ne connais pas grand monde qui sont intéressés à aller en Arménie, à part les Arméniens. Donc la décision de l'Autriche, malgré sa position militaire neutre, ne peut pas être une surprise. Ça a son observation des décisions de la Cour pénale internationale. Donc, tout ça dans ce contexte-là, mais enfin, tout ça pour dire que le plus important, c'est qu'on apprend, c'est confirmé maintenant, ben oui, les États-Unis, la Grande-Bretagne et les Alliés ont du monde sur le terrain. Ça change tout, ça.